Bonjour à tous et à toutes, je suis le docteur Balzéphone, chirurgien et plasticien de renom. Aujourd'hui, vous allez pouvoir participer avec moi à une transplantation du cœur. Je vous invite donc à vous asseoir dans mon bloc opératoire, sans masque afin de déposer le plus de maladies possible sur le patient. Nous allons donc tout d'abord regarder ce que nous pouvons faire avec lui. Virons ce morceau de tissu inutile comme nous le pouvons. Une fois cela fait, nous allons tâter ses organes vitaux pour voir s'il est en forme. Oui, caressons sa cage thoracique afin de le placer en confiance. C'est dur de pas rire en faisant cette connerie. Continuons de caresser doucement. Nous allons ensuite tourner notre main et s'étirer un peu le poignet parce que nous avons mal au poignet. Nous allons ensuite prendre ce marteau. Comme nous pouvons. Nous allons virer ceci. Et prendre ce marteau. Avec nos doigts. Hein. Nous allons tenter de ramasser ce marteau. J'en suis apparemment incapable. Bon, changement de technique. Nous allons prendre ce mambipeur. Et le placer. Attendez. Il faut que j'arrive à prendre... Et nous allons le placer à l'intérieur du corps du patient. Pour qu'il puisse dorénavant savoir quand est-ce qu'il y a une urgence. Nous allons ensuite prendre ce verre. Et je pense que ça peut être utile. Dans le corps de notre patient. Nous allons le placer ici. Nous allons ensuite prendre ces épingles. Et en placer une ou deux là-dedans. Nous allons ensuite retenter de prendre ce marteau. Que nous n'arrivons de toute évidence pas à prendre. Nous avons pris le marteau. Et nous allons tenter de le placer délicatement entre les vertèbres de ce patient. Sans les casser. Voilà. Ensuite, toujours dans l'intérêt du patient, nous allons faire rotater notre poignet. Ensuite, nous allons prendre cette scie, qui n'a pas l'air dangereuse du tout. Enfin, nous allons tenter de prendre la scie. Prenons la scie. Et nous allons tenter de la poser délicatement dans le corps de notre patient. Ce n'était pas très délicat. Bon, maintenant que nous avons ouvert ça... Oh, il faut peut-être retirer la scie du corps du patient. Nous allons la jeter sur le côté car c'est un outil dangereux. Nous allons nous dépêcher de prendre le cœur du patient. Et le mettre dans son corps immédiatement avec le bécher. Et nous pouvons constater un problème de physique total qui fait que le cœur est en train d'essayer de... Je ne sais pas trop. Regardez comme c'est magnifique. Essayons de ramasser 2-3 petits objets. Et vu que j'en ai marre de cette opération, je vais jeter le cœur à travers la pièce. Pardon, monsieur, dame. Nous allons jeter les choses ici. Nous allons prendre son masque. Je crois que nous pouvons. Je veux voir son visage. Je veux voir qui est-ce que je transplante. Pardon, désolé, j'ai des troubles de l'érection, de la personnalité. Nous allons prendre ses ciseaux. Et le casser sur son corps. Et tenter de couper son visage. Ou je sais pas quoi d'autre. Nous allons planter ses ciseaux en lui. Et nous allons maintenant prendre... Oh, j'ai peut-être oublié l'anesthésiant. Effectivement, ça peut être utile. Anesthésions-le avant qu'il meure. Bon, je n'arrive pas, alors mettons-lui un plateau sur lui. Maintenant, prenons l'anesthésiant. Et tentons de l'anesthésier. Oh... Bon, bah voilà, c'était Surgery Simulator, il y aura probablement un lien pour le télécharger dans la description de la vidéo, sinon vous tapez le nom du jeu dans Google, et vous le trouverez en 2 secondes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, alors juste avant, tu m'agresses, PewDiePie l'a fait,
Mais plein d'autres youtubeurs l'ont fait aussi, ok. Donc, Zan, ok, je vais juste faire un truc amusant. Je vous retrouve donc dans mes prochaines vidéos. J'espère que ce petit épisode spécial vous aura plu. Et donc voilà, bye bye.